putain de merde. Asseyez-vous. J'ai pris un peu de temps là parce que j'avais envie de redescendre et absolument pas d'assister à ce à quoi j'ai assisté. Et puis j'avais besoin de réfléchir surtout et de prendre une décision. Donc je vais l'annoncer de manière extrêmement simple. Tu peux te reculer un peu s'il te plaît, Pierre? Dylan? Oui, Lucie. T'as quelque chose à dire? Je sais même pas quoi dire en vrai parce que. Peut-être que je changerai un jour, peut-être pas. C'est. Je sais même pas quoi dire en vrai, je suis tellement. Mais moi je sais exactement quoi te dire. Ouais. Wow. Merci. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Tu veux savoir pourquoi je te le donne? Non, c'est bon, je sais, je sais. Alors au revoir. Viens. Viens, bébé, viens. Deux secondes. Viens, deux minutes. Non, tu viens. Pas. Non, je sais juste pas. Au revoir. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Lucie met un terme à cette relation entre moi et Mélanie avec ce bracelet noir. C'est du gâchis parce que j'aurais voulu que ça se termine pas comme ça, qu'elle pleure limite tellement qu'il y a d'amour entre elle et moi. Et en vrai, c'est tout le contraire. En vrai, je pars sur un échec noir. Je sais que je fais souffrir les femmes, mais j'avais envie d'essayer, j'avais envie de changer. Et là, de ne pas pouvoir lui dire au revoir, je suis anéanti. Aujourd'hui, j'aime Mélanie. Voilà. Sauf que ça s'est pas fait. Ça, c'est la vérité. Mélanie, viens. Mélanie. Viens à côté de Lucie. Toute cette histoire t'est montée à la tête. Ça t'a éloigné de toi. Tu comprends? Merci. Quand Lucie me dit que tout ce que j'ai fait, c'est pas moi et que l'histoire avec Dylan, elle m'est montée à la tête, bah elle a raison. J'ai jamais voulu accuser Dylan que c'était seulement lui le fautif. Et je suis soulagée que Lucie, elle en prenne conscience. Eva, tu peux me rendre un service, s'il te plaît? En fait, Dylan n'a pas eu envie d'écouter ce que j'avais à lui dire, mais moi, j'ai des choses à lui dire, je voudrais bien que t'ailles le chercher, s'il te plaît. Dylan, même s'il a fait tout ça, en fait, ça reste mon ami quand même. Je lui en veux, hein, de tout mon cœur, je lui en veux, mais il me fait de la peine. Et malgré tout ce qu'il fait, il se doit d'assumer, de répondre à Lucie. Il faut qu'il revienne, là, au bilan, il faut qu'il revienne. Je suis obligée de le faire revenir, c'est pas possible, pas s'en aller comme ça. Je suis pas sûre de... Ça va. Je sais que tu t'en veux, je sais. Je suis pas sûre de mon message. Merci d'avoir vu ce que les autres ont pas fait. Sur moi. Dylan, je sais très bien ce que t'as fait. Je sais, mais... C'est pas bien ce que t'as fait. Je sais. Ce que tu penses, ce que tu ressens, tu vas me dire, d'accord? Oh, allez, sois fort. Allez. Oh, t'as plus de suite. Non, mais t'as pas le choix, c'est comme ça. Et là, vraiment, ça me brise de voir ma copine comme ça, je te jure. Elle est, ouais, je sais. Ça me brise de la voir comme ça. Excusez-moi. Oh, putain. Merci, Eva. Tu peux rester debout. Tu m'as énormément manqué de respect. Est-ce que tu comprends que tu t'es condamné tout seul? Bien sûr. Tu te sens comment, là, Dylan, franchement? Quand je vois Dylan pleurer, ça me fait du mal et je le comprends, mais d'un autre côté, ce qu'il a fait, c'est impardonnable et il peut pas manquer de respect à Lucie, à Mélanie. Il s'est mis tout le monde à dos et... Je sais même pas comment je vais faire sans lui, c'est... Je suis perdu. Attends. C'est pas une honte de pleurer, hein? Non, non, mais... Au contraire, ça te rend plus humain, je vais te dire honnêtement. La colère que j'ai, c'est même pas de la colère froide, c'est de la colère de déception.
On commençait à avancer. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as eu besoin de te punir? T'as eu besoin de tout gâcher, de détruire? T'es venu ici parce que tu dis que tu veux arrêter de faire souffrir les femmes. Et je te crois. Mais je sais plus quoi faire. Je sais que t'es pas une mauvaise personne. Je le sais. Viens, s'il te plaît.